Les rumeurs véhiculent depuis plusieurs mois que pour Karine Ferry, un bébé serait en route. La séduisante brune serait enceinte pour la troisième fois. D'ailleurs, la post-turque, elle a adopté lors de la finale de The Voice, semble confirmer ces rumeurs. Déjà mère de deux enfants issus de son mariage avec Johan Gourcuff, Karine Ferry est prête à recevoir le plus beau cadeau du monde. En tout cas, c'est et ce que les rumeurs insinuent depuis pas mal de temps. D'ailleurs, pour ses fans, Hélène, y aurait aucun doute, elle, animatrice, cacherait un doux secret. En effet, tous ses gestes, ses postures semblent confirmer les ragots sur un troisième enfant. Lors de ses apparitions à la finale de The Voice Kids sur TF1, les internautes ont remarqué le petit ventre arrondi de Karine Ferry. Dans ce sens, de nombreux commentaires à ce sujet ont enflammé les réseaux sociaux. Et comme si cela ne suffit pas, les abonnés de Elle, animatrice, se sont également permis de faire des remarques sur sa propre page Instagram. Puisque Elle, émission qu'elle co-anime avec Nico Aliaga et de Didier aux enfants, Karine Ferry est bien de marquis. En effet, mère de deux enfants, elle sait très bien comment est-ce y prendre avec les enfants. Et les internautes ont remarqué son geste d'amour et de bienveillance envers les candidats de The Voice Kids. De ce fait, ces dernières, elles, on félicite pour son acte. Elle, animatrice, a de son côté partage une photo des coulisses de Elle, émission. À la suite de cette publication, nombreux sont ceux qui ont interrogé sur une supposée grossesse. D'ailleurs, Elle, avidée, un internaute a été partagé sur ce réseau social. En route pour la jolie Karine Ferry. Il se demandait à un abonné virtuel de Elle, épouse de Johan Gourcuff. En réponse, un autre fan souligne que Karine Ferry avait un petit ventre et une posture de femme enceinte. Mais ces nombreuses interrogations n'ont pas fait réagir Elle, intéresse. Par contre, en se basant sur la revelation du magazine Public, Elle, animatrice, serait sur le point de quitter TF1. Selon les ragots, elle aurait pris cette décision après avoir été écartée de la nouvelle saison de la Star Academy.